Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Miller, c'est Jensen. Je viens juste d'arriver à la gare. Bien reçu. On débriefera quand vous serez là. Vous venez directement au bureau? À moins d'un problème à un poste de contrôle. Normalement, vos papiers sont en règle. Alors faites profil bas. Terminé. Je coupe. Pardon, désolé. Oh putain, sac de câblé. Vous pouvez pas regarder où. Attendez, vous madame, je vais vous aider. Madame? Sérieusement? J'aurais préféré, ma puce. T'as eu mon message pour Dubaï? Ouais. Contente que t'ailles bien, Adam. L'embuscade, ça devait pas être beau. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien vu venir. Tu sais qui nous a attaqués? Je suis sûr que la Task Force va trouver quelque chose. Et que le collectif Mastodonte aura flairé une autre piste. C'est quand même bizarre, te trouves pas? Qu'Interpol envoie ton équipe, celle de Prague, sur une mission à Dubaï. Miller a dit qu'il avait eu les infos à la dernière minute. Et qu'on était la seule équipe d'assaut disponible. Ouais, bah. Ils m'ont. On fera mieux de bouger. Le collectif suit de très près toutes les divisions de la Task Force depuis qu'on t'a infiltré. Ils ont une équipe à Oman. Ils auraient pu être sur place beaucoup plus vite. Alors pourquoi nous? Aucune idée. Si la Task Force est une couverture des Illuminati, ça n'a pas de sens de l'envoyer dans la guerre. Une petite seconde. À moins que ce soit pour faire des voilà. Témoins officiels. Augové, připravte si papíry. Připravte si papíry na inspekci. To je pár marché. Co je za problém? Tu sais que c'est pas mon genre. Nezastavuj se! Je te jure que c'est de pire en pire, c'est dingue. Tout le monde regarde par-dessus son épaule. Peur que des augmentés comme nous se jettent. Ça va finir par arriver. À force de traiter les gens comme des animaux, ils vont se comporter comme des animaux. Tu dis ça comme si on pouvait rien faire pour l'empêcher. J'ai déjà essayé il y a 2 ans. C'était pas très concluant. Alors quoi? Tu crois qu'on devrait laisser tomber? Qu'on laisse la haine et les préjugés prendre le dessus? Alors là, pas question. Je dis juste que pour combattre un ennemi, il faut le voir. Les hommes à l'origine de tout ça, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qu'on doit arrêter. Je croyais que tu le savais. Mais je le sais. Toi, moi, le collectif, on essaie tous de les arrêter. Pas dire qu'on va fermer les yeux. Alors aide-moi à les trouver. Retournez dans la ville. Ok, ok. Reste là. Bougez plus. Faites-moi voir vos papiers. Fais gaffe à toi. Je déteste cette ville. C'est moi. Si t'as vu juste pour une balle, si les Illuminati avaient besoin de vous comme témoin, alors faut qu'on découvre pourquoi. Qui vous a donné l'ordre de vous mobiliser? Similaire. Mais ça venait sûrement de plus haut dans la chaîne. Ça veut pas dire qu'il est pas impliqué. Tu sais ce que c'est, le SRN? Le sous-réseau neural. À la TF-29, les directeurs s'en servent pour planifier leurs opérations et parler en privé. C'est quoi? Une puce espionne, un dispositif de mise sur écoute. Janus l'a conçu pour s'adapter à la carte mère du SRN.
Ah, Janus, le mystérieux leader des pirates activistes. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Un jour, peut-être. Pour l'instant, concentre-toi sur Miller et trouve un moyen d'accéder à la carte mère. Alex, ça va? Ouais. Ouais. Faut pas traîner là. T'entends ça? Je vais aller voir. Ok, sois prudent. Je vais t'aider. Matthias. Oh, merde. Alex, c'est Adam. Hé, hey, c'est quoi cette voix? Tu te sens bien? J'ai un peu mal, mais ça va aller. Et toi? Ouais, ça va. J'ai connu pire. J'ai pas trop quoi penser de ce merdier, et toi? Écoute, Alex, mes systèmes déconnent un peu, alors... Faut que je vérifie tout ça. Mais si tu veux qu'on se voit... Quoi? Non, ça va, allez. Prends plutôt soin de toi. J'ai une coriace. Appelle-moi quand tu seras de nouveau en état, d'accord? On fait comme ça. À très bientôt. Ouverture des volets. Bonjour, Adam. Vous avez un nouveau message. Deux. David Sarif. Lecture. Adam, c'est David. Je sais que ça fait longtemps, mais après ce qui s'est passé à Prague hier... Écoutez, j'ignore pour quelle raison vous ne m'avez pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Mais la vie est courte. Je vais bientôt partir pour Londres, mais appelez-moi. Son numéro est sauvegardé? Oui, Adam. Allumez votre téléviseur.
du monde. Enfin, c'est pas une surprise non plus, hein. Je veux dire, on a créé un service de renseignement bourré de tueurs psychopathes qui peuvent passer vos frontières. Miller, c'est Jensen. C'est bon d'avoir enfin de vos nouvelles, Jensen. Vous allez bien ? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Faut que j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ah, Coller. Faut que je te voie. Jensen ! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile poil ! Un problème ? Il y a des types dans ma librairie. Des truands et des valis. Et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier... Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée, compris. Quittez votre Allemagne natale. Ne vous entend pas accuser. Ces accusations sont fausses. En arrivant à Prague... Il y a eu un attentat terroriste dans une église. Mais la CDA n'arrive... Adam, merci de m'avoir rappelé. Ça arrive. J'ai appris pour l'attentat à Prague. Tous les médias en parlent. Des amis à vous ont été blessés. Vous me connaissez, je reste plutôt dans mon coin. Je m'attendais à ce que vous me trouviez ici. Interpol m'a appelé quand vous avez postulé chez eux. Ils font toujours une enquête de moralité. Je vous ai chaudement recommandé. Merci. Vous voulez quoi ? Ce que je veux ? Bon sang, Adam ! Je sais bien que j'ai pas toujours été exemplaire, mais... Il s'est passé tellement de choses depuis 2 ans, pour vous comme pour moi. Vous êtes quand même bien retombé sur vos pieds. Contrairement à beaucoup d'autres. J'ai eu de la chance. En attendant que les sauveteurs me trouvent, j'ai failli mourir à Pangea. Et j'ai perdu beaucoup de temps ensuite à me remettre de mes blessures. Vous êtes rentré à Détroit, vous avez vu ce qui est arrivé à Sarif Industries. Ouais, j'ai vu ça. De loin. L'humanité avait peur de notre potentiel, et ils s'en sont pris à nous. Ils ont fait éruption, volé ce qu'ils pouvaient et brûlé tout le reste. Les vautours de Taïyong Medical ont englouti les dernières miettes. Parfois, un rêve doit mourir pour qu'un autre renaisse de ses cendres. Vous avez des nouvelles de Megan ? Après toutes ces épreuves, je pensais qu'elle me soutiendrait. Mais vous le savez, elle a toujours voulu être au plus haut niveau. Elle ne se voyait pas d'avenir à Détroit, alors elle est entrée chez VersaLife. Elle est à Hong Kong ? San Francisco. Ils ont un centre de recherche offshore là-bas, Roca Seca Beach. Vous avez dû en entendre parler. En Californie, hein. Je me demande si elle a prévenu sa mère. Vous voulez un bon conseil ? Oubliez-la. Parce que je suis prêt à parier qu'elle vous a rayé de sa vie. Vous avez des nouvelles de Pritchard ? Frank ! De nous tous, je trouve que c'est celui qui a le moins changé. Il vous dirait sûrement que c'est parce qu'il est déjà parfait. Très certainement. Mais quand le monde se transforme comme le nôtre l'a fait, il faut s'adapter ou on reste à la traîne. Frank est à son compte, toujours dans la sécurité informatique ici, à Détroit. Je crois qu'il n'en partira jamais. Votre message parle d'un voyage à Londres, en vacances, ou bien c'est lié à votre nouveau rêve ? J'ai rendez-vous avec le groupe Santo,
Nathaniel Brown et ses investisseurs. Centaure ? Ils ont construit Utulek, le ghetto des augmentés, ici à Prague. Pourquoi vous devez les voir ? Brown a de grands projets. Il veut proposer de vraies solutions, des idées tournées vers l'avenir. Vous avez entendu parler du projet Refuge ? J'ai entendu parler de Rabia, la ville forteresse que sa société construit dans le désert pour les augmenter. Rabia n'est qu'une étape. Nous parlons d'arcologie autosuffisante, à haut rendement énergétique, qu'on pourra reproduire partout. Des villes bâties par les augmentés, pour les augmenter. Pour perpétuer le rêve d'une évolution contrôlée par l'homme ? Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant, Adam. Mais un jour, les gens oublieront l'incident. Et ce jour-là, nous serons prêts. Je suis content de vous voir, Adam. J'ai toujours cherché à vous protéger, vous savez, avec l'attentat d'hier. C'est pas pour ça que vous m'appelez. Je vous écoute. Rien de grave, vraiment. J'ai juste besoin d'une signature pour pouvoir terminer mon dépôt de bilan. De ma signature ? Je crois que votre mort temporaire a semé la confusion chez les bureaucrates. L'appartement de Détroit a été loué à votre nom, même s'il était payé par la société. Très bien. Envoyez-moi les papiers. Merci, Adam. Je vous remercie, vraiment. Au revoir, Sarif. Jde pryč. Peter, vous êtes là pour voir le bâtisseur ? Il dort, mais je n'arrive pas à le réveiller. Je ne sais pas s'il va s'en remettre. J'espère que Mère changera d'avis. Nous nous souvenons, bâtisseur.
Ne perds. Je peux rien faire. Oui, Christelle. Une gentille fille. Je lui faisais garder mes enfants. Le pauvre. Mais tu sais, il paraît qu'il a participé. C'est peut-être moi qui suis pas assez clair. Je veux pas d'emmerde avec toi, Eva. Mais va falloir que ça change ici. C'est moi qui ai les contacts maintenant. Avec les Devali. Avec des types pareils. Comment on en est arrivé là? Venez, pèlerin. Ouvre-toi à la vérité. Où doit être prêt? Toutes les réponses, chers frères et sœurs. Seulement les réponses que vous cherchez, soient bonnes.